you saying I'm stupid? Do I look stupid to you? Let's just think about the logic, shall we? Let's just think about it for a second. Provasse lassù. Sarei venuto fin qua giù, al tuo livello, a cercarlo. Perché ti rivolgo la parola? Non sei da regista. E nemmeno sai di regista. Mi ti può me succedere, papà. Oh, je vois, vous avez un paradigme. Så det är ditt fel. Nej, det var inte jag, det var... Första regeln i ledarskap. Koira syö koiraa tässä maailmassa, prinsessa. Semmonen elämän pietyylinen juttu. Nou, zal ik nog één keer uitleggen hoe het nou precies werkt? De zon laat het voedsel groeien. De mier verzamelt het voedsel. En de springhaan eet het voedsel. Al francés, no tengo ni idea. O sea, sistemas digitales avanzados y economía política. ¿Eso qué es? O sea, ¿me ayudas tú? O sea, yo aquí no aprendo nada. O sea, yo de francés no tengo ni puta. Vamos a hacer otra. ¿Me echas una mano? Il ne faut pas le confondre avec leur adjectif. Quand il se rapporte à un nom pluriel. S'il vous plaît. Как ты начал? Значит, фантастически. Никто не ожидал, но мы сделали это, а? Я ожидал. Я знал, что Газаевич пойдет. Видно было еще, как мы к финалу шли. 4-0 со сэром, 3-0 с Пармой. Prenez vos cahiers, надо было ехать в Лиссабон. Блин, такой матч просто. Да, в Лиссабоне ты видел первый тайм. 1-0 проиграл. А потом Жирковку. 3-1 мы были наши. Представляю, что в России было, а? 2 дня праздника, никто не работал, все гуляют. Думаю, это очень правда. На сессии. Чувак, я говорю, занимаюсь. Бен, ты уремикс, барам ты уремикс. Корейцы, санрю. Корейцы, я все им ищем, зате. Корейцы, Турция, я знаю, не иди, зате. Я, arkadaş. Aujourd'hui, nous allons voir l'heure placée près du verre. S'il vous plaît. Je leur donne la main. Fais-leur plaisir. Ils aiment leur mère. Copao. Ma che naco selezione oggi. Guarda Laura, lascia perdere, un sonno allucinante. Sì, infatti, poi colpa tua, come al solito sono tornata alle 4 ieri sera. Smettila che ci siamo divertite. Sì, è vero. Ti prenez? Ma poi quando sono andata a prendere, quando ti sono rapporto, ti parlava. Ah, non più niente. Allora. Uno stupido francese. Bon, maintenant ça suffit. Laura e Valeria. Senza savoir faire. Vous taisez. Vous bavardez en italien pendant mon cours, bravo, c'est comme ça que vous allez améliorer votre français. Ma lasciaci in pace, il tuo corso è inutile. Ma cosa che vuole?
Allora, di stare zitto e di seguire. Te ne rendi conto? Sì, come se fosse capace di spiegare. Infatti, per niente. Cambiamo. Ah no, ma là, veramente, vous êtes irrecuperabili. Oggi pomeriggio cosa facciamo? Monsieur Pelletier, il faut qu'on parle. Oui, oui, oui. Passez-moi le club numéro 2, le plus tard. C'est juste à côté de vous, là. Merci. Attendez juste. Ouais! Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus. Ils sont insupportables. Voilà ce qu'il y a. Calmez-vous. Je n'en peux plus. J'ai l'impression que je ne suis pas faite pour ça. Je ne sais pas quoi faire. J'arrête. Allez, ça va aller, vous exagérez. Un café? Un thé? Non, une tisane. Une tisane, ça va vous calmer. Vous savez, vous me faites penser à moi quand j'avais votre âge. Vous avez beaucoup d'énergie, mais vous êtes en même temps un paquet de nerfs. Vous êtes impatiente. Tout finit par s'arranger. Regardez, je suis le directeur de cette école maintenant. Mais cette classe m'épuise, je suis à bout. Vous savez bien que c'est la classe la plus difficile de l'école. Donnez-vous une deuxième chance. Prenez le temps de réfléchir. Je sais que vous en êtes capable, mademoiselle. Je ne sais plus. Oui, peut-être. Les salles de classe encombrées, les professeurs soporifiques et les heures laborieuses passées à signer d'obscurettes de grammaire. Parler italien, turc, arabe, mandarin, grec, sans effort et en un rien de temps. Ça fait très bien que t'allais dire non. Et pour cause ? Et pour cause quoi ? Sans initiative, on réussit jamais rien. C'est quand même pas compliqué d'attendre un peu, non ? On ne vend pas une voiture sans ceinture de sécurité, je suis désolé. Comme si les premières voitures en avaient des ceintures de sécurité. Tu es imbécile, va. Enfin, pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Pardon, excusez-moi de vous déranger. Oui. Oui, mais qui vous êtes ? Et qu'est-ce que vous faites là d'abord ? Je suis Mademoiselle Pichac, professeure de français pour étudiants étrangers. Ouais, et alors ? C'est pourquoi au juste ? Vous savez l'annonce sur Internet. Internet ? L'annonce ? Mais bien sûr, approchez, je vais vous montrer la merveille linguistique qui va changer toutes les méthodes de langue. Complètement ringard et obsolète. Ah voilà! Une télécommande? Pas une télécommande. La télécommande, réalisée par le soin imminent de deux scientifiques en la personne, Monsieur Brunet et moi-même. Pour ma part, je suis spécialisé dans la communication, docteur en linguistique et en sémiologie. Bon. Mon collègue, quant à lui. Est capable de se présenter tout seul. Je suis scientifique Brunet et je suis spécialiste dans les hautes technologies. J'ai entrepris des études poussées vers le cortex cérébral. Et après pour des ensuite... années de travail de notre riche collaboration, est né ce prototype capable de vous rendre n'importe quel inculte français complètement anglophone, lusophone, hispanophone, arabophone. Bon, c'est bon, on a compris.
En revanche, vous devez respecter un protocole très strict. Alors si j'ai bien compris, en pointant cette télécommande sur quelqu'un, je peux lui faire parler n'importe quelle langue. Mais tout à fait. Oui, mais attention. Vous modifiez le fonctionnement encéphale et chamboulez les repères linguistiques pour les substituer par d'autres. Pardon ? Je vais vous expliquer. En fait, la langue maternelle du cobaye disparaît au profit de celle que vous avez donnée par la télécommande. Si vous voulez, je travaille actuellement sur la possibilité d'emprunter d'autres chemins dans le cerveau. Enfin, ça, c'est ma spécialité. Enfin, quoi qu'il en soit, nous proposons des prestations très encadrées. Et c'est fiable, au moins ? Si vous voulez, comme dans toute entreprise scientifique, nous avons mené bon nombre d'expériences, enfin, certaines plus concluantes que d'autres. Les effets de la télécommande sont bien entendu délimités par le temps et l'espace. Mais nous vous garantissons que le résultat est à 100% et nous vous faisons ce prototype pour 5000 euros. 5000 euros ? Mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Mais c'est une innovation révolutionnaire. Oui, mais à vous de voir, hein. À vous de voir, d'accord ? Même, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Allez, allez. Allez, madame. Figure-toi qu'hier, deux étudiants se sont battus pendant que deux autres faisaient un bras de fer. Donc comment ça battu, tu plaisantes? Ah, je t'assure, ils se sont battus. Moi j'en ai marre, cette classe, c'est n'importe quoi, je crois que je vais rendre pas. Non mais ça c'est nouveau là. Ah mais je t'assure, je vais t'expliquer. Assieds-toi, je vais chercher le café. Oui, merci beaucoup. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers temps ? Bah écoute, tu sais, je suis allée à la soirée cinéma. Ah bon ? Écoute, franchement, il y a un truc qui m'a scandalisée. Hein. Mm-hmm. Qu'on puisse prendre un corse pour en faire un lâche, mm-hmm. Ça, alors franchement, personnellement, je le supporte pas. On peut en faire des criminels. On peut en faire des gens peut-être pas très respectueux de l'État. Mais alors, mm-hmm. En faire des lâches,
T'as pas vu la scène à un moment donné où il se promène avec son petit pantalon blanc accroché en l'air? Et j'ai pas vu le film. Attends, monsieur scandaleux, moi, je suis allée le dire, hein, Jean-Pierre Genet. J'étais absolument contente. Il disait ce qu'il a dit. On aurait essayé d'emporter la vision du public, évidemment, il l'avait. Parce que dans une ville comme celle-là, ça passe très bien. Il dit qu'il est une grande star. Il a osé dire qu'il est obligé de faire des excuses à France 3, parce que les Corses, évidemment, tout le monde le sait, sont susceptibles. Mais bah, tu vois, bah, moi aussi, je suis susceptible. Et ça me plaît absolument pas. Mm-hmm. Mais j'aimerais bien savoir de qui le droit, quand même. Alors qu'il a un script, il a un livre, hein, qui lui dit que c'est un marseillais. Il dit change la nature des personnages. Mm-hmm. C'est vraiment inacceptable. Sébastien, ma cosa è sta farra? Non mi piace. Oh, bastard, I'm very fed up. Malish, e ti che fac? Alors, tu vas bien? Tu me racontais tout à l'heure que tu avais des problèmes, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est vrai que cette classe devient impossible, mais je crois que j'ai peut-être trouvé une solution. Bonjour tout le monde! Bon, on va commencer? Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la date d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut me donner la date d'aujourd'hui? Au lieu de faire des rigolos, venez au tableau. Et les autres, vous vous taisez. Vous allez venir sauter. Et les autres, vous vous taisez maintenant. Et vous allez écouter. Les où? Placé, presse, d'où, verbe. Les où? Placé, presse. L'heure placée près du verbe. L'heure placée près du verbe, quand il est le pluriel de lui, est un pronom personnel et s'écrit toujours L-E-U-R. Il ne faut pas confondre... Moi, je n'entends pas ça comme vous. Quoi? Non, on ne peut là. Je comprends pas. Mais je sais pas... Mais je comprends rien. Madame, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je peux plus parler portugais, moi. Mais c'est pas possible.
t'ai dit, c'est pas moi qui ai touché, et c'est toi le dernier qui l'avait eu. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Monsieur. Ça m'a l'air très suspect, tout ça, monsieur. Quoi? Oui, mais c'est nul. Ah, très bien entendu. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai pas bouffé des mines à pied. Comment? Comment, monsieur? Quoi? La télécommande, c'est moi qui l'ai volée. Vous savez combien ça coûte un prototype pareil? Vous le savez ou pas? Ben je vais vous le dire, 100 000 euros! Des milliers d'heures gâchées pour une petite fonctionnaire. Alors, une quinzaine d'élèves, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas, j'étais au bout du rouleau, j'ai pris la télécommande et j'ai perdu le contrôle. On n'a même pas eu le temps de la breveter. Et qui c'est qui va nous rembourser maintenant? C'est vous, hein? C'est vous qui allez nous rembourser, hein? Avec votre paye minable. J'espère que vous avez une bonne assurance. Bah écoutez, j'ai bien examiné la télécommande, hein. Des éléments essentiels ont été détruits, hein. Ils sont irrévocablement perdus. Vos mauvaises manipulations l'ont détruite. Je ne peux plus rien faire pour vous. Je suis désolé. Vous la vouliez? Ben prenez-la. もしもし。お、愛しのマリア。俺だよ。君の大好きなミゲルだよ。切れちゃった。ボンだよ。簡単だよ。 簡単だって。聞いてよ。なんでなんで。 Oye, Miguel, ¿eres tú? Moshi, moshi. ¿Pero quién eres? Dakara, ore datte Miguel. ¿Ya? ¿Kiteru? Me ariga. Oye, Miguel, ¿eres tú? Deja de hacer tonterías. Mañana llego a la estación de Chateco a las 7. Puedes venir a buscarme. ¿Nani? ¿Nante itta no? Wakaranai yo. Ore, speingo ga hanasenai nda. Mo, wake ga wakaranai. Oye, si no quieres que vaya, dímelo, pero no me vengas con mierdas. 全然わからないよ。もうどうしたらいいんだよ。 Oye, siempre la misma historia. A ver si creces. なんでわかんないの？どうして？ Oui, 커피 마실래? 커피 마시러 가자. 가자. 그래? 응.
What's your name? What's your name? I come from Saint-Chamond. I come from Saint-Chamond. Et puis on va reprendre les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Steven, ça va pas du tout. On reprend. What is your name? What is your name? Your name. Your name. Je suis vraiment désolée. Ça marchait bien. Je pensais pas que ça allait déraper. Je suis désolée. Bunaji Balgo, Pambaba Chajabuja, Proro, Otike Maraji. Hiç kimse Türkçe konuşmuyor ailemde. Nazil oluyor. Sizlik gerekiyor şimdi konuşmak için. Saçmalık bu. Esto es como la Torre de Babel. Nadie se entiende. Arrêtez tous de pleurnicher. Pour communiquer et trouver une solution, il vaut mieux que l'on parle tous en français. D'accord? Laisse-nous. On ne comprend rien à ce que tu dis. Choyon Yago. Anja. Antonio Marimaja. Antane. Proro Mayane. Il falloir qu'on parle français. En français. Estoy harta, no entiendo nada. Déjame estudiar francés. Estoy hasta yo, soy mame. De nouveau à journée en Irak avec ses 7 co-accusés, il ne sera jugé qu'à partir du 5 décembre.
Mais c'est pas ça maintenant. Oui, oui, d'accord, je suis prêt. Laura, venez ici. Dites-moi votre nom. Quel problème est au bout? Ne discutez pas, donnez-moi votre nom. Mine Zavut Laura. Votre nom. Benim Adem Valeria. Antonio. Votre nom. Je m'appelle Antonio. Vous avez fait du bon travail, Pépé.